Salut à tous, c'est Nono. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. C'est le matin, il fait frisquette et il y a un sacré brouillard. Alors, nous sommes dans la ville de Troyes. Il y a un joli accrobranche derrière, je vais vous le montrer vite fait après. Là, je suis en train de balader Django. Aya, tu veux venir? Vas-y. Donc là, nous sommes à la forêt d'Orient, à Troyes, pour ceux qui connaissent, en Champagne. Et nous prenons la destination, comme indiqué sur le titre, de l'Allemagne. Aya, viens. Fais pipi. Non, mais... On va aller voir cette accrobranche. Et là, il y a une plage énorme sur la forêt d'Orient. Et malheureusement, il y a le brouillard qui est... est là, donc on pourra pas visiter, mais je le ferai sûrement en retour. Bon, alors forcément c'est pas ouvert cette heure-ci, mais c'est un accrobranche de l'espace. Oh là là, ça a l'air trop bien. On y voit un petit peu le début d'accrobranche, mais oui, je vous ferai une vidéo si je peux en retour, car je pense que je vais rester une petite semaine en Allemagne, voir si on peut aller à la forêt d'Orient, à la plage. Base nautique de l'espace, elle est énorme et super jolie. Allez, on repart dans le camping-car, c'est parti. Qui voudrait y aller? Voilà, c'est ici que ça se situe. Dans la maison, allez, rentre, saute, hop, y a pas de marche, ah, ça fait l'exercice. Allez, rentre. Hop là. Allez. Non, dans ton panier. Django. Allez, va dans ton panier. Et hop là, va dans ton panier. Saute. Voilà, voilà. Ma petite chambre que j'ai aménagée hier soir. Puis un peu de bazar partout. Un convertisseur pour le téléphone et batterie externe que je mets quand je suis en train de rouler sur la batterie moteur. Et sinon, je suis avec le convertisseur. Là, j'en ai un autre. 500 watts. Qui, lui, vient s'alimenter ici. Alors là, on traverse la forêt d'Orient. Et en fait, on traverse tout le lac qui doit être sur la droite. Malheureusement, avec le brouillard. Bon, tant pis, mais... C'est vachement sympa comme petite route. Alors, on va rester prudent avec le brouillard quand même. Alors on a fait une pause, on n'est pas loin de Nancy, il doit nous rester 25 km, on a fait une pause là sur une grande nationale. Bon bah j'ai remis mon petit bonnet péruvien forcément, il fait beaucoup plus froid, vous voyez, on a fait tout un trajet avec du brouillard, c'était vraiment chiant, il doit rester à peu près, aller à tout casser 200 et quelques kilomètres avant de... d'arriver entre la frontière et l'Allemagne. Donc j'ai un ami là-bas qui m'a dit de venir depuis un moment, puis donc je me suis lancé. Je suis en train d'aménager en même temps le camping-car très légèrement, mais bon. J'ai pas encore fait les joints au niveau de la salle de bain, mais ça attendra un petit peu. Et ça permet aussi de tester le Raptor pour voir si tout est fonctionnel sur la route, si tout est nickel et tout ça. Donc c'est le bon truc. Bon, la destination de l'Allemagne, c'est plus frais, c'est sûr, que l'Espagne. Mais bon, je me suis dit, je vais aller en Allemagne avant. Et après, on verra éventuellement pour l'Espagne, quand il fera vraiment froid. Bon, je suis avec Yayou. On s'est posé là. Bon, nous, on vient de s'arrêter manger. J'ai pris un truc à emporter. Ils nous ont laissé rentrer sans passe. Et c'est quand même Buffalo Grill. Alors moi qui avais l'habitude de manger sur place et tout ça, pour cette fois, j'ai pris à emporter. Et puis, voilà. Pas besoin de passe ni quoi que ce soit. Donc là, c'est un peu le bordel dans le camping-car. Je suis en train de tester un peu tout ça, vu que c'est... le grand départ. On teste un peu tout. Faut tout que je range.
Donc voilà. Bon appétit! Alors pour ceux que ça intéresserait, Buffalo Grill, vous avez un site internet et en fait vous allez dessus, vous commandez. Et moi j'ai pris une espèce de gros hamburger énorme avec des frites, la petite sauce Roquefort qui va bien, la petite serviette bien emballée, propre. J'ai pris une bière, Brooklyn Lager. Ils n'avaient pas trop de choix au niveau boisson. Donc voilà. Alors nous sommes sur un viaduc de 322 mètres. Nous arrivons près de Colmar à quasi 80 km. Alors, on a eu un énorme col à monter. Le Raptor a fait le boulot. Alors, regardez-moi cette jolie vue. Si ça, c'est pas joli. Regardez-moi ça. On a traversé tout ça depuis ce matin. Beaucoup de brouillard, et là, ça commence à être ensoleillé. Il y a de la fumée, de la vapeur qui sort. C'est magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Je pourrais rester là à contempler tout ça pendant des heures. Mais mon ami m'attend. Là, on commence à rentrer gentiment en Allemagne. Il me reste 100 km à faire avant d'arriver là-bas. Je vous donnerai la destination tout à l'heure. C'est entre la frontière et le début de l'Allemagne. Je crois que ça a 2-3 km. Je ne sais plus trop. Ah, il fait bon là. Il a fait frais cette nuit, mais là, il fait bon. Alors, nous voilà en Alsace, département du Haut-Rhin. Je vais vous montrer, c'est le col de Sainte-Marie. C'est vraiment sympa. Regardez-moi ça. Si c'est pas top ça. Il fait nettement plus frais d'un coup. Wiesenbach, 1 heure. Ah, c'est vraiment extra, les amis. Extra. Ça change de d'habitude. Et nous voici en Allemagne, les amis, à Brésac. Ah, les amis, un kebab de l'Allemagne. Ça sera mon repas bien mérité après ma grande route d'aujourd'hui. On est bien arrivé en Allemagne, on est bien garé, j'ai mis plusieurs loupiottes. Les toutous sont là, ils sont bien, ils ont bien mangé, ils viennent de manger là. Les gros toutous. Puis moi, je vais aller manger mon petit repas tranquillement. Alors, honnêtement, les amis, il fait vraiment frais en Allemagne. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit moment avec moi sur la route de l'Allemagne. Ce petit périple que j'avais envie de faire depuis un moment, cet ami que je voulais voir depuis un moment. Donc demain, ça sera visite un peu plus en profondeur de l'Allemagne avec cathédrale, avec le centre-ville, etc. Donc ça sera un peu plus varié. On va essayer de faire des petits sites. De plans d'eau, etc. Je vais repérer quelques coins pour les camping-cars. Tout n'est pas comme en France, mais c'est pas mal. Donc, en plus, mon ami m'a laissé sa polaire militaire. Donc, du coup, en plus, ça tient chaud, vu qu'il fait très très frais quand même. C'est bien redescendu, ça a bien chuté d'un coup. Donc, voilà.
Je vous souhaite une agréable soirée, journée ou matinée selon à quelle heure vous aurez regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement et soyez indulgents. À la prochaine, c'était Nono.